Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je reviens sur le premier essai que j'avais fait en tant que professionnel sur la chaîne avec le Volvo XC90. Il a évolué, à l'époque j'avais une version diesel. Aujourd'hui, je reviens avec la version T8, donc c'est la version essence, hybride rechargeable et surtout qui fait 455 chevaux. On a essayé quelques Volvo sur la chaîne et récemment également la version XC60. Qui est celui-ci, mais en un petit peu plus petit, en un petit peu moins cher, et ça, c'est vraiment le sommet du premium de la gamme, le maximum de confort, l'espace maximum, tout poussé au maximum, en fait. Bon, comme d'habitude, je vous fais un essai détaillé, je vous présente l'extérieur de la voiture, l'intérieur, je vous montre un petit peu tout. On a 7 places dans cette version, et on va tester l'autonomie. Je préfère vous dire que j'ai eu une très très bonne surprise, en faisant ce test d'autonomie en 100% électrique. Alors, je n'ai pas vidé le plein d'essence, mais en tout cas, la batterie, ça marche très très bien. Alors, ce XC90, il commence à partir de 90 800 euros. On pourra avoir quelques options, comme les jantes ou la couleur, mais on aura surtout un pack qui sera en plus, c'est le pack Ultimate, qui coûte 12 800 euros supplémentaires, où vous aurez quasiment toutes les options, et clairement, en fait, vous avez le choix entre la version de base, qui s'appelleront la version de base, et ce pack qui intègre quasiment tout. Il sera disponible soit en version B5, donc qui est le moteur diesel, un 4 cylindres turbo, ou cette version, donc T8 recharge. La version T8 recharge, c'est en gros un moteur 2 litres turbo essence, qui développe 310 chevaux, couplé à un moteur électrique, qui est positionné à l'arrière, qui fait 145 chevaux. Tout ça, en cumulé, ça nous donne 455 chevaux, ce qui est juste énorme. C'est démentiel, en fait. La batterie qu'il y a augmenté depuis les anciens modèles. À l'époque, on avait une petite batterie aux alentours des 10 kWh. Maintenant, on retrouve une batterie de 18,8 kWh, ce qui est annoncé pour faire environ 70 km dans les bonnes conditions. On essaye, bien sûr, la version 100% électrique pendant cet essai pour voir ce que ça donne. Tout ça est couplé à une boîte 8 rapports, automatique bien évidemment, ce qui permet avec 8 rapports d'être assez bas dans les tours lorsqu'on fait de l'autoroute. On verra également les consommations en hybride, une fois qu'on a épuisé la batterie, lorsqu'on fait de l'urbain et du périurbain. Pour la charge, il faudra compter entre 5 et 13 heures selon sur quoi vous branchez votre prise. Au niveau des dimensions, on a quand même un sacré bébé, 4,95 m de long, 2,01 m de large et 1,77 m de haut. Et la hauteur peut varier puisqu'on a une suspension pneumatique qui va faire en sorte que la caisse monte ou descend. Au niveau de la garde au sol, on a 23,7 cm au plus haut. On peut remorquer jusqu'à 2400 kg avec cette voiture et elle pèse 2300 kg. Au niveau du rayon de braquage, donc lorsqu'on tourne sur place, 12,10 m entre deux murs et on pourra mettre jusqu'à 71 litres d'essence à l'intérieur. Elle sera disponible en 7 couleurs, alors rien de très très excitant, ce bleu est assez sympa, sinon il y a des gris, des noirs, bon, c'est plus des teintes assez discrètes. Sur l'avant, il fait très imposant. Alors là, il est en position basse lorsqu'il est remonté, on a vraiment l'impression que ça devient un franchisseur tout terrain. Un très long capot, avec bien sûr toutes les sécurités chez Volvo. Des feux qui ont été un petit peu restylés il y a quelques temps déjà, mais on garde toujours ce T avec des feux full LED bien évidemment. Ce que j'aime beaucoup sur cette version, c'est qu'on n'a pas de chrome, on a un black pack tout autour. Ça le rend plus discret encore que les versions où il y a du chrome. Le gros logo Volvo ici au centre, avec les capteurs d'aide à la conduite qui sont intégrés à l'intérieur. On a bien sûr la conduite de niveau 2, centrage de voie, la voiture reste centrée au milieu de la voie lorsqu'on lâche le volant, et régulateur adaptatif. Ça fonctionne parfaitement bien. Caméra ici, comme dans les rétroviseurs, puisqu'on a les packs de caméra 360. On retrouve tout un avant peint. Ici, c'est des fausses entrées d'air, mais qui donnent un style un petit peu plus agressif. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs packs, puisque là, on a un pack qui donne un côté un peu plus sportif, surtout avec le noir plus ses contrastes. Il fait un petit peu agressif. Et puis bon, il fait quand même 455 chevaux le joujou, quoi. Sous le moteur, comme je vous disais, aujourd'hui, on a le T8. Sinon, il existe également en B5 avec une version diesel. Pour les gros rouleurs, ce sera quand même un avantage. Pour les gens qui font de l'urbain, périurbain ou pour aller au boulot, ça c'est l'idéal. Par contre, si vous avez beaucoup de kilomètres à faire, le diesel sera quand même l'idéal pour les consommations, puisque là, une fois qu'on a épuisé sa batterie, on tracte un petit peu de poids en plus et ça ne sert pas à grand chose. Sur le côté, on retrouve aujourd'hui des jantes gigantesques en 22 pouces.
C'est juste énorme. Par contre, j'adore parce que ça remplit énormément large de roue. À l'époque, 22 pouces, c'est ce qu'on mettait sur du tuning, sur des Hummers, quoi. 22 pouces, à l'époque, c'était juste démentiel. Et maintenant, c'est devenu courant sur une voiture. Jambe 22 pouces, XC90. Voilà, c'est classe, on met du 22 pouces. Et ça fait plus du tout tuning, on s'y est vraiment fait. Pareil, sur le côté, ici, entourage de vitres noires, rétro noir, quelque chose de très sobre. Alors, ce qui est bien, c'est SUV, mais pas de plastique ici, SUV premium, donc tout est peint. Hein. Sur la carrosserie, on n'a pas de partie plastique apparente. Et ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ah, j'en ai trouvé là. Comme ça, vous ne me reprendrez pas. Poignée type frigo avec le petit bouton sur lequel on appuie. Ici, on met les 71 litres d'essence. Et de l'autre côté, c'est la trappe pour la recharge, donc avec une prise simple, pas de prise combo. Alors peut-être que ça viendra un jour sur les véhicules premium. Il y a certaines voitures qui commencent à avoir les prises combo pour aller un petit peu plus vite sur les hybrides rechargeables. Ça devient un vrai plus. Sinon, on le voit, façon vraiment SUV. Voilà, c'est massif. Et là, donc, il est en position basse, je vais vous le remonter. Comme ça, vous allez vous faire une idée de à quel point ça remonte et à quel point ça change le véhicule. Donc pour ça, il faut que j'aille dans les menus. Je me referme la porte. Mode de conduite et je vais passer en off-road. Et regardez, là, la voiture remonte. Elle me démarre le moteur. Par contre, regardez la hauteur qu'elle prend. Et ça monte à l'arrière et à l'avant et à l'arrière et à l'avant. Et là, ça y est, je suis en position haute. Vous avez vu la différence de taille? Maintenant, le truc est plus haut que moi. Enfin, c'est devenu gigantesque. Et regardez l'espace qu'on a maintenant. Entre les roues, je peux clairement passer ma main de cette façon à travers l'arche de roue. Et là, on a vraiment augmenté et ça permet là de faire du tout terrain. Clairement, alors, ce serait marrant un jour d'aller essayer quand même sur l'air de la Ferté Gaucher, par exemple, en tout terrain, voir les capacités que ça a. Je pense que ça doit pas être dégueu parce qu'on a quand même une bonne garde au sol. On a des grandes roues, on a des pneus routes, mais ça reste un 4x4 et la hauteur est vraiment beaucoup plus haute de cette façon. Un petit truc, c'est quand j'ouvre le coffre aussi, puisque là, la voiture est en position haute. Si j'ouvre le coffre, j'ai un petit bouton, parce que, imaginons, je suis plus petit. Ah, il faut quand même le lever assez haut. J'ai un petit bouton pour que je puisse descendre le seuil de chargement. Et là, vous voyez quand même que ça redescend énormément. Là, on a vraiment l'impression que la voiture est chargée comme si elle allait au bled. Bien sûr, ça remonte et ça se remet à niveau. Là, j'ai refermé le coffre. Comme vous pouvez voir, la voiture remonte puisqu'elle se dit « Ok, c'est bon, il a fini de charger. » Et elle est retournée en position haute. Donc l'arrière, le petit becquet ici qui intègre le long troisième feu stop, un essuie-glace bien pratique. Alors, je vous avoue que ça, c'est juste la petite chose qui aurait été parfaite si elle était cachée là-haut pour balayer de cette façon et on ne le verrait pas. Ce serait encore plus classe d'avoir cet arrière très très sobre. Puisqu'au final, ça reste une voiture qui est assez sobre. Ce Volvo XC90, et on ne dirait pas que c'est une voiture si puissante et qui vaut si cher. C'est ce que j'aime beaucoup avec Volvo, c'est qu'on se dit « Oh, c'est une belle voiture !» Mais on ne se dit pas « Ah ouais, ça vaut quand même 103 000 euros !» XC90 de ce côté-là, le Volvo, et le badge qui vous dit si vous avez le T8 ou le B5, les feux toujours caractéristiques de chez Volvo, bien sûr, en full LED. Comme je vous disais, tout est peint sur la voiture jusqu'au bas, on a deux réflecteurs de chaque côté, et les échappements, on ne les voit pas du tout, malgré toute la puissance. C'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir une sorte de pack d'échappement, mais bon, Volvo, ils aiment bien, dans les pays, Suède, etc., on vend beaucoup de voitures électriques, donc on n'a plus forcément envie d'afficher la puissance des gros pots d'échappement et autres. On ouvre le coffre. À l'intérieur du coffre, donc comme je vous disais, soit je peux le laisser comme ça, donc là, vous voyez, c'est assez haut, soit je peux rebaisser. J'adore faire ça. Je pourrais m'amuser toute la journée à faire ça. Donc là, je suis redescendu plus bas. 640 litres de chargement lorsqu'on a la configuration 5 places. 640 litres de chargement. Je peux vraiment venir faire un pique-nique à cet endroit-là. On peut se mettre à deux sans problème. Regardez, on peut se mettre là quasiment. Et en vrai, il y a de la place. On a plusieurs choix différents. On peut relever cette partie-là. Si on veut séparer le coffre en deux parties, avoir par exemple des choses ici ou derrière. Et ensuite, on peut avoir la configuration de cette place avec les deux sièges juste ici qui se relèvent. Pour les relever, il faut enlever la plage arrière ici et avancer un petit peu les sièges de la deuxième rangée parce que sinon, ils sont bloqués. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait,
regardez mon autre vidéo, la première vidéo du XC90, en tapant XC90 mécanique sportive, j'ai essayé vraiment toutes les places où je vous montrais comment on y accède et autres. Dans le coffre, on a des crochets un petit peu partout, des lumières LED, et puis bah, c'est vraiment pas mal, hein. Et en plus, on peut soulever à cet endroit-là, et j'y retrouve mes câbles de recharge. Tout est parfait, hein. Et sur le côté, un petit bac ici, avec mon kit de secours, une prise 12 volts. Bon, on est pas mal. Allez, on referme. À l'arrière de cette voiture. Donc là, elle est en position haute parce que je l'ai mis en mode tout terrain. Pour monter, donc je monte vraiment m'installer à l'intérieur. L'ouverture de porte est gigantesque. J'ai quasiment pas besoin de me baisser. Je pourrais rester quasiment droit. Et je viens m'installer dans mon siège. Chacun a son siège individuel. Donc il y a trois places ici, deux places encore à l'arrière avec deux petites banquettes individuelles. Lorsque je m'installe, oh, c'est très très grand, c'est spacieux. J'ai de la place pour les pieds, pour les genoux, pour la tête. Regardez, là, il y a vraiment encore énormément de place. Des fenêtres sont énormes. J'ai mon petit rideau ici pour le soleil ou que ce soit un petit peu plus privé. Si imaginons que je sois un jour un homme très influent, je pourrais rouler avec mon petit rideau. Le Bowen Wilkins ici. Alors ça, c'est une option que je recommande énormément si vous aimez la musique. Bowen Wilkins dans cette voiture. On a 1400 watts. C'est sublime. Je ne peux pas vous le faire écouter parce que, en fait, ça n'aurait aucun sens de vous faire écouter ça sur des écouteurs ou sur une télé ou autre. Le son est juste waouh. Ça vaut le coup. Croyez-moi sur parole. Ou sinon, allez chez Volvo et demandez, écoutez, vous mettez la radio DAB et vous écoutez et vous allez voir que c'est juste waouh. On a donc les sièges qui sont séparés en trois parties. On peut coulisser chaque partie individuellement. Et on peut également incliner les dossiers. Donc, de très droit comme ça. Ça modifie en même temps l'assise. Et là, il y a plusieurs positions disponibles. Et je peux aller jusqu'à assez incliné. Et je vous avoue que moi, étant passager à l'arrière, j'aime bien que ce soit assez incliné pour que je puisse me reposer. Surtout quand je me fais conduire avec une suspension pneumatique, un peu pilotée et autres. Ça reste assez confortable à l'arrière. Donc, j'en profiterai. Et surtout, ça me permet d'être un petit peu incliné pour avoir cette belle vue sur le ciel. Et c'est juste superbe, quoi. J'adore. Avec les nuages qui bougent et tout. Attendez, bougez pas. Je vous montre ça en live. Parce que c'est juste trop beau. Regardez. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous voyez les nuages bouger. Et j'ai une belle vue sur l'avant. Je vous le montre directement. Regardez à quoi ça ressemble. Vue d'ici. Ce que j'aime bien, c'est les appuis-têtes chez Volvo à l'arrière. Et ici, je retrouve ma partie avec ma climatisation. Alors, c'est pas démarré, mais je peux régler la température de chaque côté. Donc, quadrizone, mes aérateurs. J'ai d'autres aérateurs ici, sur le côté. Et également, je retrouve deux ports USB-C à cet endroit-là. Donc, ça ressemble à un allume cigare, mais non, surprise. Ça, c'est pour cacher le tunnel central. Mais comme vous pouvez le voir, il y a de la place pour les pieds à tous les endroits. Défilé derrière chaque siège. On est pas mal, hein. Et la banquette ressemble à ça vraiment. Et ici, je peux retirer mon petit accoudoir de cette façon. Porte-gobelet, ici. C'est technologique. Et je referme. Et lorsque je suis là, alors, j'aurais pu chipoter en disant que la partie avant du porte-gobelet est en plastique. On aurait pu les faire sortir devant. Mais bon, c'est pour chipoter. Ouais, on est vraiment pas mal. Ici, la place du milieu. Hop. J'ai les grands pieds. Alors, c'est très ferme au niveau de l'assise, c'est très ferme au niveau du dos. Pourtant, j'ai un t-shirt, un pull et le manteau, mais je sens que c'est ferme. Donc, cette place, elle sera bien pour un enfant ou quelqu'un que ça ne dérange pas la fermeté. J'ai de la place pour la tête, j'ai de la place pour les jambes encore une fois. Et j'aime bien cette vue parce que j'ai une belle vue sur tout l'avant. La troisième ceinture, bonne chose, elle est située juste ici. Et ben, on est pas mal, hein. Je sens pas les boucles de ceinture sur le côté parce que l'assise est assez large. On a une fixation top taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et puis c'est pas mal, hein. Et si je rabats, par exemple, ce siège, on peut voir que j'ai un plancher plat entre ici et vraiment le bout tout là-bas. Et je pense que je tiens sans problème si je m'allonge. D'accord. Je le fais vraiment pour vous.
qu'est-ce que je ferais pas? Eh, nickel, je mets un petit matelas gonflable. Moi, je fais 1m80, comme je vous disais, et j'ai encore de la place. En fait, il y a plus de 2 mètres entre le coffre et là. C'est un super camping-car, ce truc. Bon, allez, je vous présente l'avant. Allez, on file découvrir l'avant, mais là, comme vous pouvez le voir, comme je suis parti du véhicule, la voiture redescend. Donc ça, c'est une option que j'ai. Je peux la faire redescendre pour me rendre l'accès plus facile lorsque je vais monter dans la voiture la prochaine fois que je vais la prendre. Donc là, je l'ouvre. Et comme elle est redescendue, ben, ce sera plus facile de venir ici à l'intérieur. La porte, comme à l'arrière, très belle finition. Du cuir partout, du métal, Bowen Wilkins, une enceinte là, là, là. Le son est extraordinaire, comme je vous disais. Du cuir perforé, du cuir, des parties moussées partout. C'est beau, c'est... La finition est très premium du début à la fin. Ensuite, lorsque je vais aller à l'intérieur, regardez, donc les sièges en cuir et en alcantara. Très beau siège, les petits appuis-têtes fins comme on connaît chez Volvo. Des sièges qui sont quand même bien englobants sur les côtés. On voit les bourrelets qui remontent bien. On a toutes les parties qui bougent, donc cette partie s'avance, se recule, se monte, se descend. Pareil pour le siège, on peut avoir pas mal de réglages. Ici, on règle à cet endroit-là, tout en électrique sur cette version. Le pédalier en aluminium, qui donne un côté un petit peu plus premium et sportif. On a le petit badge recharge ici, alors je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. À cet endroit-là, on a un vide-poche, avec une petite moquette à l'intérieur. On peut mettre ce qu'on veut ici, hein, et c'est quand même assez profond. On retrouve ici la luminosité du tableau de bord, ouvrir le coffre et ouvrir la trappe à essence. Regardez, là on a un beau petit soleil, oh, ça fait plaisir dans la nature. Le volant, allez, je vais aller m'installer à l'intérieur. Il faut que je me recule, je vais mémoriser ma position, comme ça il s'en rappellera. Donc, je recule petit à petit, donc vous découvrez l'intérieur, donc avec ce volant Volvo qu'on retrouve sur toutes les Volvo. Ils ont toujours fait très simple, un beau volant très rond. Je vais vous la démarrer, comme ça vous allez voir vraiment ce que ça donne. Pied sur le frein, je démarre en tournant ça. Et voilà, c'est démarré. Pas de bruit, ça démarre en hybride. Sur la gauche, je vais avoir mes aides à la conduite, le régulateur adaptatif, donc j'appuie régulateur, j'appuie deux fois limiteur, plus je règle la vitesse, moins je descends. Gauche ou droite, je vais régler si je veux juste avoir le régulateur, et si je mets un coup à droite, je vais avoir ensuite, là comme on le voit, le pilote assist. Donc ça s'affiche en bas, et là ça veut dire que la voiture va conduire toute seule. Je règle la distance moins loin ou plus loin avec le véhicule qui me précède. La commande vocale, ici je vais avoir les menus avec quelques infos qui vont apparaître lorsque j'appuie dessus. Alors ça met peut-être un petit peu de temps là, ça n'a pas envie. Ça me donnera les consommations à l'écran. Là je peux avoir le volume juste ici et je peux mettre pause et regérer le volume avec ça. Le volume, comme je vous disais, Bowen Wilkins, top de chez top. D'ailleurs on a les enceintes là, là on a une belle enceinte ici, ici, là, dans les portes, c'est juste top. Derrière le volant, les feux ici, je vais repasser en mode feu automatique. On a le mode plein phare automatique également, lorsqu'on pousse de cette façon. Et ici, ce sera les essuie-glaces. Le compteur ressemble à ça, on peut le personnaliser également. Et voilà pour cette partie. Ici, donc là, j'ai l'ancienne version. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est géré avec une partie un petit peu Google. On aura Google Maps d'installer directement et qui va apparaître ici. Pareil, le CarPlay ou l'Android Auto va être beaucoup plus grand et prendre tout l'écran, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est l'ancienne version sur celle-ci. Mais sinon, tous les nouveaux modèles que vous commandez auront la version avec Maps intégrée, ce qui est vraiment beaucoup mieux. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer tous les menus, mais pareil. Alors, petite chose qui me déçoit, moi, c'est qu'on n'ait plus les Drive Mode. Pour aller chercher ces drive modes, que ce soit cette version ou l'autre, regardez le XC60, je l'ai présenté. Il faut, alors pas comme ça, il faut que je glisse ici et j'ai mode de conduite et ensuite je vais aller chercher. Donc soit pur qui sera le 100% électrique, hybride, individuel que je peux personnaliser, power ou off-road. Power c'est toute la puissance maximum, off-road il relève la voiture et ensuite il se met en mode tout terrain. Et ensuite, donc ça, c'est les anciennes versions. On avait tous ces raccourcis. Maintenant, on ne l'a plus sur les nouvelles. On aura toujours cet écran d'accueil, mais de façon différente. Ensuite, cette version restera toujours inchangée avec le volume, des embuages, warning et... Alors, ce que j'adore, c'est ça. J'appuie ici et c'est un mécanisme électrique qui m'ouvre la boîte à gants. La boîte à gants est assez grande et ce que j'aime beaucoup,
c'est les seuls à avoir pensé à ça, c'est le petit support pour le stylo pour faire son constat ou écrire. Aucune marque pense au stylo. Alors, on a toujours un constat, mais on n'a jamais de stylo dans sa voiture. La boîte à gants est assez grande. Il y a une partie là-haut pour pouvoir mettre votre manuel d'entretien. Et voilà pour cette partie. Hop, je la referme bien. Ici, on peut avoir ce petit sélecteur de rapport en cristal, si on le souhaite, qui est très très beau. Pour passer en drive, je tire deux fois. Donc, je passe au tableau de bord en drive. Si je tire une autre fois, je passe en B. Donc B, c'est le mode brake qui va régénérer de l'énergie. Ensuite, je peux passer les rapports en allant sur le côté, gauche ou droite. Moins je rétrograde, plus je vais là-bas si je suis en mode sport, par exemple. Reculer, je pousse deux fois. Et ensuite, ça m'active les caméras ici de recul. Donc, je peux ensuite sélectionner juste l'avant si je souhaite ou juste l'arrière ou retourner à ma vue 360 degrés. Et la touche parking, j'appuie ici. Je démarre la voiture ici grâce à cette touche start ou stop, le frein à main et le auto-hold que j'active ici. Belle partie ici, façon métal, très sympa. J'ouvre double porte-gobelet à cet endroit-là. Chargeur par induction pour téléphone et prise 12 volts et de quoi mettre des petites pièces ou autres à cet endroit-là. Je vous avoue que quand c'est fermé, c'est beaucoup plus joli. Ou sinon, vous pouvez mettre juste de cette façon pour avoir votre téléphone ici et c'est antidérapant. Le tableau de bord, très simple, épuré. Voilà, c'est pas trop de chichi. Il y a un petit peu d'éclairage ici de nuit à l'intérieur, donc très simple. Et le siège passager ressemble à ça. Et le toit là-haut, donc ce grand toit panoramique et ouvrant, donc toute cette partie sur l'avant, s'ouvre, on a du foncé partout, on peut également l'avoir en teinte plus claire. Là-haut, on a les lumières, on peut allumer les petites LED et ouvrir et fermer le rideau et le toit ouvrant. Le rétro sans bord, ici, le miroir avec la petite LED qui va bien. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai ma poignée, il y a des poignées à tous les coins. Alors, de nuit, on a une LED ici, qui est de couleur bleue, regardez l'éclairage que ça fait. Alors ça donne des petits reflets un petit peu partout dans la voiture. Alors, on peut le voir là, je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça fait des petits reflets en fait sur les parties chromées ou sur les parties brillantes, pareil à cet endroit-là. Donc là ici, si je referme bien, hop, on peut le voir, ça fera de l'éclairage ici sur l'intérieur. On a une partie lumineuse sur le tableau de bord qui éclaire un petit peu l'enceinte. Dans les vide-poches ici, la portière également est un petit peu éclairée. Au niveau des pieds, pareil, là, mes bagues de portière, et pareil, donc de ce côté-là, qui vient éclairer le dessous. En fait, c'est très discret, mais quand on met la main, on se dit, ah ouais, il y a quand même pas mal d'éclairage. Pareil, ça vient éclairer l'enceinte juste ici, les feux, donc ça éclaire de cette façon, toujours affichage tête haute. Donc en fait, c'est très discret, mais on a quand même une ambiance lumineuse à l'intérieur, alors j'aime bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça, je peux également le personnaliser, si je le veux bleu, jaune, rouge, donc là on le verra ici en fait grâce au changement d'ambiance, on peut avoir un vert, donc on a quelques petites couleurs. J'avoue que moi j'aime beaucoup le bleu parce que c'est celui qui ressort le mieux et dans quasiment tous les cas c'est toujours celui qui est le plus intense. Bon, il reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne cette voiture sur la route. Bon allez, c'est parti avec ce Volvo XC90 T8 recharge. Donc ce que je vais faire, mode de conduite, on va commencer par le mode pur qui va être la conduite économique et qui va d'abord utiliser les batteries. Je vous montre plus comme ça. Donc 100% électrique pour commencer, ça m'affiche 62 km d'autonomie. Je vais me mettre en mode B, donc ça va me permettre de régénérer un petit peu. Et on part dans le silence. Alors, ça c'est vraiment la chose la plus agréable dans le luxe. C'est quand on a une très belle voiture et qu'on peut rouler en 100% électrique. Qu'on a également toute la puissance nécessaire et le mode pur. Là vraiment, le compteur m'indique vraiment le mode que électrique. Donc, je vais épuiser la batterie dans un premier temps. Donc, c'est parti pour 61 km, on dirait. Hein. Je vais remettre à zéro le trajet. Donc, je vais aller me balader dans le 78. Je pars de Rueil-Malmaison, on va aller faire un petit tour. Donc l'avantage de l'électrique, c'est que ça fait pas de bruit. Là, avec cette plus grosse batterie, on roule beaucoup plus que l'ancienne. Je vais le repasser. 18,8 kWh,
on a l'équivalent de 145 chevaux sur les roues arrière, 135 chevaux, excusez-moi. Donc ça permet d'avoir quand même un bon comportement, puisqu'en plus, comme c'est une propulsion assez agréable au niveau du ressenti de la conduite. J'ai le mode B, le auto hold lorsque je m'arrête. Alors je ressors du XC60 qui est plus récent, où il y a une nouvelle interface, etc. J'espère que ça va arriver bientôt sur le XC90 également, où il y avait un petit peu le One Pedal Drive qui était très agréable. On sent que celui-ci est un petit peu plus vieux, mais ils ont mis le même système, donc avec les mêmes batteries, le même moteur. Et c'est vrai que c'est un plus, 455 chevaux en cumulé. C'est vrai que ça commence à faire des performances très sympathiques. Moi, ce qui m'intéresse surtout, plutôt que toute cette puissance, c'est surtout ce mode électrique avec une autonomie prolongée qui va être vraiment très agréable. En tout cas, pour la ville, là, je suis à 50 km/h. L'idéal, c'est ça, ça fait pas un bruit. On pollue pas. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on n'a plus de batterie, effectivement, si on recharge pas ce genre de voiture, ça va consommer plus, puisqu'il y a le poids des batteries, il y a le poids du moteur électrique et autres. En plus, comme on a un gros bébé, clairement, si vous faites de la ville comme ça, vous accélérez un petit peu, il y a un petit peu de montée. Par contre, si vous rechargez tous les jours pour aller au boulot, vous pouvez arriver à 0 litre 100, puisque vous ne consommerez rien, ce sera 100% électrique. Et là, ça devient vraiment très avantageux. Et également, vous aurez toute la puissance, parce que lorsque vous avez les batteries pleines, plus vous utilisez par exemple le mode sport, là, ça va vraiment vous donner toute la puissance tout le temps. Et là, c'est intéressant également. Donc, on peut utiliser soit le mode hybride, soit le mode pur, soit le mode sport, si on a vraiment envie de se donner à fond, quoi. Là, par exemple, je suis en mode juste électrique. Et si j'appuie pour relancer, même en simple électrique, je vous avoue que c'est largement suffisant. J'ai absolument pas besoin de plus, quoi. Et puis, lorsqu'il n'y a pas les sirènes de police, c'est vraiment très très calme dans cet habitacle. La clim en mode tout doux, ça fait quasiment pas de bruit. Là, j'ai mis 22 degrés, il fait 17 dehors. Donc, je fais vraiment dans des conditions réelles. On est quand même très très bien dans cet habitacle. Ce grand toit vitré est très agréable et surtout, c'est lumineux. Ça fait du bien et c'est surteinté pour ne pas que vous ayez trop d'UV qui viennent dans la voiture et que ça réchauffe pas trop l'habitacle également quand il fait soleil. Et puis, ce calme. Et comme je vous disais, si j'accélère un petit peu plus fort, en fait, ça suffit largement. On n'a pas besoin de plus. Pour tous les jours, largement suffisant. Là, comme vous avez vu, il y avait pas mal de montées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montée, hein, c'est comme on est en essence, ça consomme un petit peu plus. Donc, si vous êtes à la montagne, vous allez consommer beaucoup plus. Donc, les 60 km en montant, vous n'allez jamais les atteindre. Vous ferez peut-être 30. Par contre, en descendant, vous consommerez absolument zéro parce que à chaque freinage, ça récupère de l'énergie et ensuite, vous allez pouvoir rouler. Donc, c'est logique, hein, on consomme plus lorsqu'on fait forcer le moteur. J'ai mes aides à la conduite également. Je peux me mettre en ville à 50. J'ai la conduite de niveau 2, donc là par exemple ça suit les lignes sans virage, j'ai mis 50 km/h, la voiture détecte les lignes, elle suit la voiture de devant, elle s'adapte au régulateur adaptatif, dans les bouchons c'est d'un régal, là je viens de rendre le XC60, je viens de passer 2 heures sur le périph, j'avoue que pendant 2 heures sur le périph c'est pas moi qui conduis du tout. Puis vous avez vu, elle m'a toujours pas redemandé de retoucher le volant. Ça, c'est très agréable quand la voiture ne sonne pas toutes les 10 secondes. Lorsque là, on est à basse vitesse, à plus haute vitesse, elle vous demandera quand même. Il faut toujours garder les mains sur le volant, mais regardez là depuis tout à l'heure. Je n'ai touché à rien. Et ça, c'est un vrai plus également. Pour moi, c'est ça le luxe et le confort. Et là, tout mixé avec la partie électrique, ben, on va dire que c'est un gros, gros avantage. Bon, je continue ma petite route. Dès qu'on sort de la ville, je vous reprends et on continue voir quelle autonomie on va réaliser. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver aux 62 annoncés? Là ici, on va dire que ça passe à 70, même si c'est 90. Toujours pas de bruit moteur. On entend très très légèrement, vous savez, un petit peu le sifflement de l'électrique. Mais ça reste très calme à 70. On sent qu'on est dans une voiture premium, c'est bien insonorisé. Ça roule tout seul. Ça roule vraiment tout seul, puisque clairement, là, je fais rien du tout. Lorsqu'on passe sur du goudron, ça
devient encore plus calme et agréable. Pourtant, on a quand même une grande surface intérieure. Il y a de quoi faire en sorte que ça résonne. Et vraiment très très agréable. Avec cette voiture, donc, on peut rouler jusqu'à plus de 130 en 100% électrique, puisque c'est une hybride rechargeable. Ça veut dire que c'est fait pour rouler vraiment en 100% électrique. Allez, ici ça passe à 90. Je laisse la voiture relancer tranquillement. Donc pareil, après, ce qu'il faut savoir avec l'électrique, c'est si vous faites de la route à 130 km/h, vous n'allez jamais arriver à 60 km d'autonomie. Vous allez faire quasiment la moitié. Par contre, si vous faites du 70, 80, 90 ou de la ville, c'est là que vous allez atteindre les meilleures conditions pour la batterie et le moteur électrique. Et c'est là où vous allez prolonger l'autonomie. Et dans ces conditions-là, les 60 km sont totalement réalisables. Là, le but, c'est de vous faire vraiment un mixte. Là, c'est du 90. J'ai fait un petit peu de ville au début. Donc là, j'ai fait en gros 7 km de ville. Maintenant, je vais faire de la route à 90. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de 110. Je vais essayer de vous faire un petit bout de 130 également. Et pour vous donner des conditions réelles, de comme si on allait vraiment au boulot, on travaille en dehors de la ville. Et pour le moment, bah, c'est très agréable. Ça m'indique 9 km réalisés. Il me reste 50 km. Étant donné que j'ai fait beaucoup de montées, c'est normal que c'est perdu un petit peu plus que prévu. Mais quel confort! Quel confort d'utilisation. Là, on est sur une petite route à la campagne. Il n'y a absolument personne. Ce que je vais pouvoir faire, c'est pouvoir alors changer mes modes. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai plus la molette. Et je vais passer en mode power. Donc, j'ai rechargé rapidement. J'ai démarré le moteur un petit peu avant pour pas faire ça à froid. Zéro. Le moteur est démarré toujours en mode power. Et c'est là qu'on retrouve 100% de la puissance moteur, donc qui est 455 chevaux. Il n'y a personne, on se teste un petit 0 à 100. Allez. Oh la vache! Oh la vache! Et on est déjà à 100. C'est plutôt efficace. C'est plutôt même très très efficace. 455 chevaux. C'est du confort pur. Mais on va repasser en mode pur. Pour continuer notre test en mode électrique, ce sera bien mieux. Alors là, je parcours un petit peu toutes les routes. Je suis parti de Rueil-Malmaison, je me dirige vers les Mureaux et ensuite je vais reprendre la 13 pour retourner vers Paris. Là, j'ai déjà réalisé 24 km et il me reste encore 40 km d'autonomie. Donc voilà, ça prouve vraiment que lorsqu'on fait ce genre de route, c'est vraiment l'idéal. Là, c'est des routes à 70 et 80. Bah, c'est juste parfait en fait. Et l'autonomie est top, hein, franchement. N'hésitez pas à me dire combien de kilomètres vous faites vous tous les jours pour aller au travail. Je pense qu'avec une soixantaine de kilomètres, on est pas mal. Surtout, je pense que si vous avez les moyens de vous acheter ce genre de voiture, c'est que vous avez un bureau assez sympa et que je pense que vous avez les moyens de vous mettre une prise au bureau et au domicile. Donc clairement, vous pouvez toujours rouler avec ce confort en fait. C'est surtout ça moi que j'ai apprécié, c'est le confort que je vais avoir grâce à l'électrique. Et là par exemple, c'est 50, je règle à 50 le régulateur. Dès que ça freine, ça me régénère de l'énergie. Et je pense que je vais sûrement faire plus que les 60 km annoncés. Quoique peut-être on va arriver aux 60 puisqu'après je vais faire de l'autoroute. Et là ça va consommer un petit peu plus. Allez, on va se faire un test rayon de braquage. Là on a un tout petit rond-point, je braque à fond. Bon, c'est pas forcément la voiture qui braque le mieux de toutes. Ça prend quand même un petit peu de place, mais bon, vu la taille du bébé, c'est un petit peu normal. Bon, dans certaines conditions, il faudra peut-être s'y reprendre à 2-3 fois en manœuvre. Ce qui aurait été top de chez top, c'est qu'ils mettent les 4 roues directrices là-dessus. Ça aurait été juste parfait et ça aurait vraiment aidé à l'agrément au quotidien. Volvo, si vous m'écoutez, prochain XC90, 4 roues directrices, je vous le conseille. Ce sera un vrai vrai plus. Bon alors, 35 km pile poil, je viens de réaliser. Il me reste encore un petit peu plus que 50%. Il doit me rester 52-53%. Et là, je me redirige sur l'autoroute. Donc ici, c'est 130. Toujours en 100% électrique. Donc je relance en électrique. 80, 90, 100. Donc on sent qu'après 100 km/h, ça commence à être plus cool pour l'accélération. Alors, je vous fais un petit bout à 110. Donc, il me reste 33 km d'autonomie. J'ai 29 à faire. On va voir ce que ça donne, hein, si on y arrive ou pas. Allez, je me mets 110 pour voir ce que ça donne.
pareil, hein, toutes mes aides à la conduite. En vrai, si on regarde bien, j'aurais pu faire 70 km sans problème avec ce type de route, voire peut-être même un petit peu plus. 110 km/h. Donc on n'entend pas du tout le moteur actuellement, hein, puisqu'on est en 100% électrique. Quasiment pas de bruit du vent. Voiture qui double. C'est bien sonorisé. Allez, je redouble un petit peu. Donc à 110, c'est plutôt bien. Allez, je vais aller mettre à 130 tout de suite. Je vais le faire avec le régulateur. Donc hop, on se remet sur la voie de droite, bien sûr. On a très légèrement du bruit du vent. Parce que bon, on roule quand même à 130. Hein. Les bruits de roulement sont bien contenus. Franchement, c'est très agréable. Et je sens en fait, quand je vous parle, qu'à l'intérieur de l'habitacle, en fait, c'est bien insonorisé. Et ça surtout, vous savez, c'est cette sensation où on se dit, j'ai pas besoin de parler fort en fait pour parler à la personne qui est là ou même derrière en fait. Parce qu'il y a des voitures où quand c'est mal insonorisé, est-ce que tu m'entends? On parle fort. Et là en fait, moi je sais que j'ai pas besoin de parler fort et c'est agréable. Puis on va voir si j'arrive à faire les derniers kilomètres pour retourner à Rueil-Malmaison. Donc en gros, j'étais à Rueil-Malmaison, Aubergenville, Rueil-Malmaison. C'est pas mal, en 100% électrique. Enfin, on va voir si j'y arrive. Mais là en tout cas, 130, comme je vous disais, ça consomme quand même beaucoup plus d'énergie puisque ça force, et quand on va faire de la ville, ça va être beaucoup plus avantageux pour le côté électrique puisque ça va moins relancer, ça va rouler sur son inertie, alors que là 130, il faut quand même que ça pousse parce qu'on a quand même un gros bébé, surtout avec celle-ci. Il y a le vent, il faut lutter contre le vent. C'est comme quand vous sortez votre main à l'extérieur à 130, vous la mettez comme ça, ça souffle fort. Si vous la mettez comme ça, ça va beaucoup mieux. Donc, plus le véhicule est gros, plus il y a de résistance au vent également, même si celui-ci, hein, pour la taille, ça va, c'est quand même assez aéro. Alors regardez, en manœuvre dans des zones étroites, on a quand même les caméras 360 degrés qui sont bien pratiques. Hop. Faut pas oublier de bien cliquer deux fois à chaque fois sur le sélecteur pour passer de marche avant à marche arrière. Ensuite, j'ai tous les bip bip, etc. Et les caméras font plutôt bien le job, ça m'aide quand même vraiment pas mal. Bon, il faut savoir, c'est, on a vraiment un gros gros bébé, mais bon, quel confort d'être à l'intérieur d'une si belle voiture. Hop. Au niveau du braquage, pas pratique tout le temps, tout le temps. C'est vrai que là, une petite Smart, c'est plus agréable. Bon, j'ai fait une petite pause pour essayer de venir voir un ami à la concession. Il n'était pas là, Anthony. Dommage. Allez, on continue, on reprend la route et on essaye de finir ce trajet. Il me reste 10 km. Ici, 10 km pile poil au GPS. Bon, j'espère que je vais y arriver. Normalement, ça devrait le faire. On est bien parti. Bonne nouvelle. J'arrive dans 700 mètres. J'ai réalisé 64,3 km et il me reste encore 5 km d'autonomie. Donc, en gros, on va dire 65 plus 5. On arrive vraiment aux 70 annoncés par le constructeur. Alors, je suis assez bluffé parce que c'est rare. Bon, après, de plus en plus, les constructeurs annoncent des valeurs de plus en plus réelles. Mais là, je suis quand même bien surpris et agréablement surpris de savoir que je vais faire 70 km d'autonomie en 100% électrique. Donc, je continue. Je vais me refaire des montées, des descentes dans Rueil, surtout la grosse montée. Mais après, ce qui est embêtant, c'est quand je fais la descente, je récupère de l'autonomie. Donc, en fait, quand je monte 2 et je redescends, je récupère 1. Donc, en gros, je pourrais faire plus de 70 km limite. Enfin, quoique, avec la montée, ça consomme quand même pas mal. Bon, je vais juste me faire un petit kiff. Je vais la monter et je vous donne le kilométrage total. Bon, voilà, les allers-retours sont faits. J'en suis arrivé à 69,3 km. 100% électrique, parfait, rien à redire, et ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer un petit peu en hybride. Donc je remets tout à zéro et on commence en mode hybride, comme ça on va revoir les consommations. Je me mets toujours en mode B pour la récupération d'énergie. Et ça part quand même dans le silence. Parce que quand je me suis arrêté, ça a régénéré de l'énergie. Donc là, je pars en électrique.
La plupart du temps, à chaque freinage, vous allez régénérer pas mal. Donc, ça va faire que ce sera l'électrique. Pareil, là, je freine, je suis en électrique. Et c'est calme. Donc, ça va prioriser, en tout cas en ville, hein, de cette façon, l'électrique. Ensuite, quand vous allez sur des routes qui vont rouler plus vite, effectivement, c'est le moteur thermique qui va prendre le relais la plupart du temps. Mais à chaque décélération, on va repasser en électrique. Et si j'appuie un petit peu plus fort, hein, quelqu'un, faut faire attention parce qu'on a quand même 455 chevaux. Hein, et si j'appuie un peu plus fort, j'ai le moteur thermique qui redémarre. Donc effectivement, on entend un petit peu légèrement le moteur thermique. Oh, c'est marrant ce truc du PS là. Oh, ils ont une sorte de vélo électrique cabine. Donc, le moteur électrique se rallume à chaque freinage. Hop, ça redémarre. Quand je rappuie un petit peu trop fort, là c'est toujours de l'électrique. Ça me dit attention, bientôt plus. Et si j'accélère un petit peu plus, moteur thermique. Et là, on peut se faire une petite accélération. Je suis à 56. C'est trop rapide. C'est très rapide. On a l'impression d'avoir une vraie voiture de sport lorsqu'on fait des vraies accélérations. Alors, on dirait pas du tout comme ça. Mais qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Et là, pareil, je repasse en électrique. Et reconfort. Donc en gros, vraiment pour la ville, ça alterne. Hein, à chaque freinage, ça se calme. À chaque accélération, ça peut s'énerver. Un beau son, ça. Et pareil, là, il y a du trafic partout autour. Et à moins que ce soit des véhicules très très bruyants, j'entends quasiment rien. Et je vous avoue que c'est agréable. Là, le moteur thermique sort, démarre. Il se recoupe. Donc vraiment, c'est le moteur joue tout le temps. Là, en descente, comme moi, j'ai vraiment l'éco-conduite et l'habitude, j'arrive à faire des bons scores. Pareil, on a les feux automatiques, bien sûr. On a les pleins phares automatiques. On est quand même sur une voiture de luxe. Mais il me semble pas que chez Volvo, ils fassent du matriciel. Allez, ça redémarre. Alors, je vous avoue, la transition, si on roule de façon cool, on la sent pas du tout. Vous mettez un petit peu de musique, vous saurez quasiment pas que le moteur est démarré. On peut peut-être sentir, vraiment en y prêtant très très attention, une légère vibration du moteur. Mais et encore, franchement, c'est hyper subtil. Sauf quand on accélère un peu plus fort, là, on va le sentir. Donc là, je me remets mon régulateur, 70 sur le périph, double ici, les avertisseurs d'angle mort et autres, et ouais, c'est reparti pour les aides à la conduite. Donc là, ça résonne un petit peu dans ce tunnel, ça se débrouille très bien. La route où ça roule un petit peu plus, c'est un peu plus le domaine de prédilection de CX-90, hein, parce que c'est clairement une voiture de grands voyageurs. On a de la place, on a de quoi mettre la famille, on a un coffre généreux si on est 5, si on est 7, il vaut mieux mettre un coffre de toit, on profitera plus de cette belle vue. Et 90, voilà, j'ai pas le contour parce que ça dépend des affichages, mais pareil, c'est toujours aussi confort. Je trouve que la suspension aurait pu faire un petit peu plus souple, ça aurait pu être un poil mieux. Après, ça dépend, on a plusieurs options dans la suspension, on peut choisir la piloter ou autre. En tout cas, ça roule bien, c'est simple, efficace. Et après, pareil, je peux changer de mode. Donc là, je suis en mode hybride. Je peux me mettre en mode power. Donc lui, qui va me donner toute la puissance, qui va essayer de me recharger un petit peu la batterie. Pareil, je peux charger la batterie si je souhaite pour arriver plus tard. Mais là, ça consomme vraiment beaucoup plus. Il n'y a pas de palette au volant. On ne peut pas choisir ses rapports ou quoi que ce soit. Si, on peut. Au cas où je veux changer de rapport, donc là par exemple je suis en 8ème, à 80, en mode sport par contre ça m'indique le régime auquel je suis. Là par exemple je suis à peine 1300 tours à 80 km/h et là c'est agréable. Le but c'est pas forcément de consommer le plus, mais en mode power ça va plutôt bien fonctionner. Et si j'accélère à fond, ça relance un petit peu, ça tombe les rapports et la vache, non mais ça pousse trop, là je suis au-dessus de la limite. En fait j'ai fait un 90-130 comme ça. C'est instantané. Ça pousse vraiment fort. Franchement, c'est bluffant. Et en mode sport, bah voilà. Le but du mode sport, c'est d'être sportif, quoi. Et ça se débrouille bien. Bon,
seul petit problème, c'est pour moi qu'on n'ait pas les modes qui soient comme avant. C'est un petit peu embêtant d'aller chercher dans le menu et quand on veut changer rapidement, bah, c'est pas possible. Allez, à 110. Là, toute la journée avec, je me retrouve avec une consommation moyenne à 7,5 litres en hybride. Alors ils ont beaucoup amélioré le système, je trouve. Alors j'ai fait beaucoup de villes de bouchons et de routes qui roulaient plus tôt, mais je trouve ça vraiment pas mal pour un gros 4x4 de cette taille. Donc bonne amélioration en tout cas par rapport aux anciens modèles. Je pense qu'ils ont revu le système de batterie et autres et ça fonctionne super bien. Donc voilà, bonne surprise, très bonne autonomie en 100% électrique, des consommations cool en hybride. Bien joué. Bon alors, ce Volvo XC90 T8, c'est ce qu'on en pense. Alors, Volvo XC90 de base, c'est déjà très bien. En T8, c'est encore mieux. Enfin, pour mon utilisation personnelle, hein, moi j'adore, je fais beaucoup de villes et je fais pas énormément de très longs trajets. Je fais beaucoup de régions parisiennes ou au pire, je vais à Orléans, Lille. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui va me convenir parfaitement, puisque 98% de mon utilisation personnelle, c'est du trajet court ou pour aller chercher des voitures ou aller au travail. Donc clairement, l'autonomie qui est en électrique, les 70 km, c'est juste parfait pour moi. Et comme je vous ai montré dans l'essai, ça tient parfaitement ses promesses. Ces 70 km, on peut les avoir en ayant une éco-conduite, hein, en conduisant de façon calme et normale, en faisant un petit peu de mix. Alors comme je vous disais, si vous faites que de l'autoroute, vous allez tenir peut-être 30-35 km si vous êtes à 130 tout le long. Là, il y avait la climatisation d'activer, le chauffage, donc vraiment conditions réelles. Ensuite, au niveau d'hybridation, pour moi, hein, je pense qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur cette voiture lorsque ils ont rechangé les batteries. Ils ont dû retravailler le système hybride pour que ça consomme un petit peu moins, puisque j'avais essayé à l'époque un autre XC60 qui est ça, mais encore plus léger, et ça consommait beaucoup plus. Et là, j'avoue que je suis agréablement surpris. C'est vrai que le mode électrique se déclenche assez souvent. Donc pour moi, si vous avez les moyens, franchement, c'est top. Pourquoi choisir un Volvo? Parce que c'est plus discret qu'une Mercedes ou qu'une BMW. Ça a ce style très épuré, très simple, très sobre. Et si vous ne voulez pas énormément de menus, aller chercher 12 000 choses ou autre, c'est vrai que c'est pratique. Si vous avez juste besoin de prendre la voiture, choisir entre le mode électrique ou hybride, franchement, ça le fait. Je ne dis pas que j'aime pas les autres. Hein. Moi, j'adore les Mercedes parce que c'est très bling-bling, c'est beaucoup d'électronique, c'est beaucoup d'apparence, de lumière, etc. Mais j'avoue que rouler avec ça, en fait, vous avez un statut différent, je trouve. Et à vous de savoir ce que vous préférez. Personnellement, j'aime beaucoup. En fait, j'aime un petit peu tout. Même une Rolls-Royce Cullinan, ça m'irait bien. Rolls-Royce, si vous m'entendez, n'hésitez pas, j'aimerais bien essayer un Cullinan. Ou même un Bentayga chez Bentley. N'hésitez pas, les amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Commentaire, comme d'hab, hein, si vous avez des choses, des questions à demander. Ou si vous voulez que j'essaye des voitures spécifiques, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des questions sur ce XC90, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !